Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors le code de la map s'affiche actuellement en haut de l'écran mais je le mettrai en description ou en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc quand vous arrivez dans cette map vous pouvez soutenir un créateur sur Xbox, PC, PS4, PS5 et Switch. Donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur le bouton soutenir un créateur et vous mettez le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient de ouf. Ensuite vous appuyez sur option, vous allez dans le menu et vous lancez le jeu. Donc là vous attendez que le jeu se lance. Ok, donc quand le jeu est lancé, vous allez près du personnage juste ici pour lancer le jeu, let's go. Ensuite vous allez prendre cette petite pièce, ça va vous donner des XP. Ensuite vous montez ici. Donc je tiens à préciser que l'XP que j'ai pris avec la pièce, j'en ai pris 63. Je suis en XP limité. Vous, normalement, vous pouvez en prendre 500, voire plus. Donc là, vous prenez la deuxième pièce. Et je tiens à préciser aussi un autre truc, c'est que j'ai une technique secrète pour gagner 5 fois plus d'XP sur n'importe quel glitch. Donc n'hésitez pas à aller voir la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé. Donc ici, vous montez, quand vous avez pris la deuxième pièce, vous montez ici. Là, vous allez prendre les bacons. Et là, regardez. Vous allez prendre, enfin moi je prends 3000, mais normalement vous allez prendre genre 25 000, 30 000. Ensuite vous prenez la pièce juste ici, ensuite vous descendez en bas à droite, et là vous allez prendre les bacons. Et là ça va vous donner encore 3000, enfin là ça peut vous donner encore 30 000, 40 000. Donc là quand vous avez récupéré les deux bacons, ce que vous faites c'est que vous faites arrêter le jeu. Et vous appuyez sur rejouer. Ah, vous appuyez sur option en fait, je pensais que ça allait proposer de rejouer, mais en fait non, il faut appuyer sur option et relancer le jeu. Option menu, lancer le jeu. Là, vous devez attendre encore les 10 secondes. Et ensuite, vous retournez près du personnage start, vous prenez la pièce et vous refaites le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc à chaque fois vous reprenez le bacon, hop, hop, et ensuite vous arrêtez le jeu et vous faites, vous relancez le jeu à chaque fois, vous faites ça en illimité. Donc normalement vous, ça va vous rapporter beaucoup plus d'XP que moi, mais voilà, comme je suis en XP limité, ça me rapporte beaucoup moins. Et n'oubliez pas la technique secrète pour gagner 5 fois plus d'XP qui sera en description ou en commentaire épinglé. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.